Et c'est à tous, on se retrouve pour la manche espagnole sur le circuit de Catalogne. Toujours avec la Midland de Christian Albers. Alors on va lancer les qualifications. Je vous annonce tout de suite, on va encore galérer. Catalunya, tout près de Barcelone pour les qualifications du samedi. La première séance est sur le point de débuter. J'ai pas réussi à faire des temps corrects, hein, honnêtement. À part une 21e temps en essai libre, j'ai pas réussi à faire grand chose de mieux. A savoir quand même que je me suis rendu compte que l'essence a vraiment un impact énorme. Techniquement, je fais trois fois le même tour. Si je fais le dernier avec un tour d'essence voire zéro, je peux gagner 3 à 4 dixièmes d'un coup. Donc l'idée c'est d'enchaîner les tours pour faire le chrono. Donc on va voir. Alors j'ai essayé des réglages, plus ou moins d'appui, vitesse courte, longue, enfin j'ai rien trouvé, vraiment rien trouvé qui me fasse améliorer quoi que ce soit. Donc on va faire avec. A voir après bien sûr le rythme de course, hein, s'il y aura du mieux ou pas. Alors les points les plus critiques ça va être donc le virage qu'on a vu juste avant, la petite chicane là qui est super difficile à prendre. Les deux sorties avant la ligne droite aussi qui sont compliquées. C'est d'ailleurs là où il y a plus de chances de faire une bêtise. Parce qu'on arrive très très vite et si on sort légèrement sur le vibreur, on part instantanément. Alors si je me souviens bien, en 2006, c'était Alonso qui avait remporté la course. Devant une foule conquise. Allez, c'est parti. On va faire le premier chrono, on va tester du moins. Et évidemment, on va être gêné par la Toyota, voilà, c'est super, merci. Du coup, un tour perdu pour rien. Ça pour me redépasser derrière. De toute façon, c'était pas le premier tour où il fallait faire le chrono puisqu'on a trop d'essence. Par contre, il y a un monde monstrueux sur le circuit. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir prendre cette partie à fond, mais c'est très compliqué, il faut beaucoup d'ailerons. Si on met trop d'ailerons, ben, on perd du temps après. Allez, c'est parti. Oh, j'ai réussi à le tenir à fond. Vous avez vu à quel point j'étais près du mur aussi. Un résultat assez médiocre. La voiture ne semble pas au mieux de sa forme. Thiago Monteiro réalise un nouveau temps. Il ne doit pas être content. Sa voiture n'a pas cessé de balayer toute la largeur de la piste. Il y a du monde hein, sur le circuit. Pas trop de chance à ce niveau-là. On va presque plus le prendre à fond aussi celui-là. J'essaie d'abord de faire un chrono avant de faire quoi que ce soit. Je suis en retard sur le 12e. Ouais, là pareil, typiquement. Ça va pas être un temps super, 18-7. Un nouveau temps. Un résultat assez médiocre. La voiture ne semble pas au mieux de sa forme. Allez, on va essayer ici de faire un peu mieux. On a moins d'essence. Les pilotes bouclent actuellement un tour complet sans Nico Rosberg,
Christian Klein, Juan Pablo Montoya, Mark Webber, Jenson Button, Felipe Massa, Michael Schumacher. Et nous-mêmes. Christian Klein obtient un chrono. Il doit être déçu. Ses réglages ne semblent pas adaptés au circuit. Oh, presque à fond. Le fait de ne pas pouvoir relâcher, de pas relâcher ici, ça fait tellement de temps. Voilà, on a été un peu lent. Par contre, j'ai moins bien accès avec tout à l'heure. Par contre, là, on est mieux. À voir à la sortie ici. Sa voiture n'est pas à la hauteur pour l'instant. Christian Albers réalise un nouveau temps. Eh, c'est pas mal. C'est pas mal. Je sais pas ce que ça va donner à la fin, mais... Ouh, 16e. Allez, est-ce qu'on quitte le garage? Ouais, on va tenter. Par contre, je peux pas changer la quantité d'essence. Oh, ça va être difficile à tenir à la 16e place, je pense qu'à la fin on va se faire éliminer. Là techniquement je peux faire encore 2 tours, à peu près 3 tours. Ouais, l'écart quand même, il y a 4 secondes d'écart entre le premier et le 16e. Enfin, un peu moins mais presque. C'est mon équipier d'ailleurs qui est juste derrière. Oh, c'est passé. C'est dommage que ça passe pas en tour lancé. Hein. Ouais, j'ai trop d'essence, hein, donc ça va être difficile. Ouais, je suis pas si loin, mine de rien. J'ai oublié de relâcher un petit peu quand même. Alors là, je m'étais complètement raté. Ah ! Il doit être déçu. Ses réglages ne semblent pas adaptés au circuit. Quel dommage. J'étais mieux en sortie. Et voilà, une 17-1 hein, de Scott Speed. Tant dire que là, il nous a mis une seconde d'avance. C'est mort. On va essayer de faire mieux, mais... Une seconde à rattraper, je pourrais pas, là. Ça va, tu me le dis si je t'ennuie côté Toyota. Il sera furieux de ce chrono. Sa voiture n'est pas à la hauteur pour l'instant. Ouais, comme je suis obligé de me garer quoi, limite. Nick Hedfeld achève son tour complet. Il devrait en être content. David Coulthard achève son tour complet.
Il ne doit pas être content. Sa voiture n'a pas cessé de balayer toute la largeur de la piste. Je vais laisser passer après parce que je suis vraiment en retard. Vas-y, passe. Allez, passe, s'il te plaît, c'est pas le moment là. Casse-burne, à chaque fois. Button boucle son tour complet. Cela m'étonnerait qu'il se vante de ce temps. Il va plutôt chercher à l'oublier. Allez, c'est parti, dernier tour. Il sera furieux de ce chrono. Sa voiture n'est pas à la hauteur pour l'instant. Oh non! Nico Rosberg. Bon bah, c'est mort. Réalise un nouveau chrono. C'est mort, parce que j'ai pas assez d'essence pour faire la suite. La voiture ne semble pas au mieux de sa forme. Ouais, regardez, Villeneuve a fait une 16-8, ce qui fait qu'il y avait encore 3 dixièmes de mieux encore à faire. Il aurait fallu que je tourne une seconde et 3 dixièmes plus rapidement. C'est-à-dire que c'est mort. Nous poursuivrons avec des temps effacés et seulement 10 pilotes retenus dans la troisième et dernière phase. Cette deuxième séance devrait être très... On va quitter la séance. Nous allons passer la dernière séance de qualification. Et on regardera le temps de qualification au lancement de la course. L'ordre est le suivant. Bon, on va rester comme ça. Je sais pas s'il va pleuvoir ou pas pleuvoir. Direct du circuit de Catalunya à Barcelone pour le Grand Prix d'Espagne. Pendant l'hiver, les écuries passent une grande partie de leur temps sur ce circuit pour se préparer et faire leurs tests pour la saison suivante. Par conséquent, tous les pilotes connaissent très bien son tracé. Il s'agit d'un circuit assez technique qui n'offre que peu d'opportunités de dépassement dans les portions centrales très sinueuses. C'est le Grand Prix à domicile pour le pilote Fernando Alonso. Et les spectateurs sont venus nombreux pour soutenir leur héros. Alors, Alonso Barrichello, deuxième chrono, pas mal. Schumacher, Massa, classique, physique, Lara, Schumacher, pas mal, Ralph. Raikkonen, 7, 8ème Trulli, les Toyota sont en forme. Heidfeld, Montoya. Et on va partir 18ème. On dirait que ça fait des heures que les pilotes attendent le signal du départ. Non, moi, il fait beau. Tout bien parti. Bon, par contre, ça nous voit pas mal. Les pilotes abordent le premier virage. Fernando Alonso sort en tête du premier virage. Derrière lui, on trouve Rubens Barrichello, suivi de Michael Schumacher. Il fait une belle remontée au classement. Bon, bah maintenant, il va falloir subir en 14 tours. Faut attendre que les pneus montent en température. Oh, ils sont tellement plus rapides, regardez-moi ça. Voir dans la portion un peu plus lente si on peut les recoller un petit peu. Oh, ils arrivent comme des avions. Qu'est-ce que je fasse quoi, je suis obligé de me décaler deux côtés. Voilà à quoi ressemble la course après le premier tour. Alonso est premier. Barrichello est à la deuxième place. Schumacher est en troisième position. Massa occupe la quatrième. Bon, il peut toujours se passer quelque chose devant, hein, mais la régulière. À la sixième place, Raikkonen. Oh là là, mais regardez-moi ça, mais regardez-moi ça. Ah, je tente, hein, j'ai vraiment que ça à faire, je tente, je tente. Oh, 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 oh le coup de roue.
Oh putain! Putain, j'ai pas réussi à freiner! Ah, va-t'en, faut que j'aille au stand! Va-t'en! Oh, ben voilà, là c'est fichu. Ouais, là j'ai complètement raté mon pit, mon freinage. Pourtant je m'étais décalé, mais bon. De la course et Alonso est premier. Barrichello est à la deuxième place. Schumacher est en troisième position. Massa occupe la quatrième place. Giancarlo Fisichella est cinquième. À la sixième place, Raikkonen. Il était septième. Derrière lui, c'est Ralf Schumacher. Ouais, 15 secondes d'arrêt. Il a dégringolé depuis la sixième place. Et voilà Juan Pablo Montoya, 8e. Doucement tant que les pneus sont bleus. Manque d'adhérence. Ils vont bientôt chauffer et passer au vert. Fernando Alonso se donne maintenant à fond. Son dernier temps était de 1:15:23. Il s'éloigne maintenant de Barrichello. Il tourne aux alentours d'une 15,5. L'écart est maintenant de 1,08. Bon, ben là, je pense que j'ai plus rien à dire jusqu'à la fin de la vidéo. Hein. Écoutez, il va rien se passer. Peut-être me cracher n'importe comment tout seul. Trop de retard, hein. 39 secondes. Qu'est-ce que je fasse avec ça? De toute façon, c'était prévisible, hein. Il y avait rien à jouer, rien à faire ici. Allez, 29 secondes de retard, on va essayer de revenir sur Sato, on sait jamais. Sur un malentendu. Ah, comme je glisse au freinage. J'ai à peine relâché, l'arrière part complètement. J'ai aucun grip en virage. J'ai aucune vitesse de pointe. J'ai aucune accélération. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Franchement, rien. Continue à mettre la pression. Son dernier temps était de 1:15:16. Rubens Barrichello n'est pas aussi rapide. L'écart est actuellement de 2,3 secondes. C'est ID qui est 17ème, Button 18. On en est au tiers de la course. Alonso est premier. Ah, il y en a deux à l'heure, j'arrive pas à tourner. Hein. C'est vraiment un truc de fou. Schumacher est en troisième position. Massa occupe la quatrième place. Giancarlo Fisichella est cinquième. À la sixième place, Raikkonen. Derrière lui, c'est Ralf Schumacher. Et voilà Juan Pablo Montoya, huitième. Il y a un drapeau jaune. Alonso continue à mettre la pression. Son dernier temps était de 1:15:34. Il continue à accroître son avance sur Rubens Barrichello. L'écart est maintenant monté à 2,3 secondes. Nous venons de consulter le dernier bulletin météo et la température descend lentement depuis quelques minutes. Si la baisse se poursuit, elle pourrait avoir un effet sur la pression des pneus. C'est la première fois que j'entends ce commentaire. Je sais pas si ça aura un impact, mais bon. Sans sachant que j'ai les pneus au minimum de la pression. Donc c'est qui a abandonné ses buttons? Ouais.
position. Son dernier temps était de 1:15:18. Il continue à accroître son avance sur Rubens Barrichello. L'écart est passé à 2 secondes et demie. 20e place, 20e, c'est la 20e place. C'est un truc de fou. Même là, je perds du temps. Hein. Je tourne 2 secondes plus lentement que Sato. Barrichello est à la 2e place. Schumacher est en 3e position. Massa occupe la 4e place. Giancarlo Fisichella est 5e. À la 6e place, Raikkonen. Montoya est 7e. Derrière lui, c'est Ralf Schumacher. 32. Je perds une seconde par secteur, limite, quoi. C'est n'importe quoi. Continue à mettre la pression. Ce dernier chrono était de 1:14:86. 1:14:86. Mais au secours. Regardez, je vais me faire prendre un tour. Hein. Je vais me faire prendre un tour. Je perds une seconde par secteur sur Sato sans faire la moindre erreur. C'est vraiment, mais. Putain, mais ce jeu, c'est incroyable. Je sais pas comment c'est possible. Déjà, je roule pas avec une super Aguri là, je roule avec une Midland, ça doit être au moins être au même niveau, voire un peu mieux. Bah non. Alors, je vais être un setup pourri, hein, je dis pas le contraire, mais. Je veux dire, je sais pas non plus 4 millions d'erreurs quoi, donc. Indécent. Je sais pas quoi dire là. Secondes. J'ai perdu combien? 2 secondes, 3 secondes sur Sato? Alonso continue à mettre la pression. Son dernier temps était de 1:15:02. Il s'assure une avance confortable sur Rubens Barrichello. L'écart a augmenté pour passer à 3 secondes 3. Ah, mais j'ai compris, j'ai 33. Regardez en bas, j'ai 33 litres d'essence. 33 litres d'essence. Pourquoi ils m'ont mis de l'essence, quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? 33 litres d'essence, mais c'est vraiment... Mais oh là là, mais jusqu'au bout, l'Ali, quoi. Vraiment, hein. Ouais, drapeau bleu. Nininia, vas-y, dépasse. Allez, dépasse! Déjà que je perds 10 secondes par tour, là. Eh ouais, mais 33 tours d'essence, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Et bientôt ça va être là, ça va être là, le train-train derrière. Pourquoi ils m'ont mis 33 tours d'essence? Pourquoi j'ai 33 tours d'essence, quoi? Button est deuxième. En tout cas, ça justifie le fait que je perds autant de temps. Hein. Là, vraiment, je comprenais pas. Je comprenais pas. Mais bon, ça arrange pas mon problème de le savoir. Hein. Allez, dépasse. Allez, allez! Putain. Et il se touche devant. J'ai encore un drapeau bleu.
Bon, tu me dépasseras dans la ligne droite. Hein. Regardez Michael Schumacher, il donne tout ce qu'il a. Ce dernier chrono était de 1.14.60. Il continue à réduire l'avance. Allez, double ! Double ! L'écart est descendu. Putain, tu m'emmerdes là ! Jetons un coup d'œil à l'état du top 8. Alonso est premier. Putain, c'est déjà super relou, quoi. Alors si en plus il faut me faire chier enfin, tous les tours là. Putain, c'est pas vrai. 5 tours encore à tenir. C'est bon, t'es passé. Merci. Je sais pas comment faire pour pas mettre de l'essence. Quand on s'arrête au stand. Est-ce qu'il faut ne pas appuyer sur un bouton par exemple? Bon, je pense pas quand même. Michael Schumacher se donne un peu plus à fond, mais reste à savoir si à ce stade avancé de la course, il a la capacité de passer devant lui. Si ça continue, Alonso risque de se faire doubler. 3 secondes 8, c'est par les deux pilotes. C'est avec beaucoup de classe que Michael Schumacher arrive au terme de ce tour. Il se rapproche lentement. L'écart a encore diminué d'un dixième de seconde. Michael Schumacher s'attaque au leader. Il a encore réduit l'écart d'un dixième de seconde. On dirait qu'Alonso commence à réagir. Il a creusé l'écart d'un dixième de seconde supplémentaire. Je crois qu'il y a eu un abandon et une perte d'huile. 19e position, 19e. Bon, ce qui est bien, c'est que Montero est 15e. C'est-à-dire que s'il y a encore un abandon ou des places à prendre. En vrai, je pourrais essayer de sortir les autres IA pour donner des places à Montero. Hein. Comment il est passé? Michael Schumacher sait qu'il doit réagir et c'est ce qu'il est en train de faire. Il se rapproche lentement. L'écart a encore diminué d'un dixième de seconde. Allez. Michael Schumacher vient de gâcher sa chance. Alonso a tenu bon et a montré qu'il avait vraiment la hargne. Il ne va pas lâcher. Si je suis malin, je crée un bouchon. Hein. Comme ça, ça fait remonter Montero au classement. Mais bon, je pense que je serai disqualifié. Le pilote de tête, Fernando Alonso, a entamé son dernier tour. Le deuxième est Schumacher. Fernando Alonso est dans son dernier tour, on dirait qu'il est en mesure de gagner. 52 secondes de retard sur sa tour. Des 8 premiers pilotes, tandis qu'il ne reste plus qu'un tour à parcourir. Alonso est premier, Schumacher est deuxième. Troisième, Barrichello. Fisichella est quatrième. Felipe Massa, cinquième. À la sixième place, Raikkonen. Montoya est septième. Derrière lui, c'est Ralf Schumacher.
Je peux enfin pouvoir faire un tour sans y être devant moi ou derrière. Fernando Alonso franchit la ligne à la première place et marque ainsi 10 points bien mérités. Michael Schumacher prendra la deuxième place. Une journée de folie, un circuit de folie, une ambiance de folie. Cette course est l'une de celles qui attire le plus de spectateurs. Les Espagnols adorent la F1 et ils adorent Fernando Alonso. Ça a été un plaisir d'être ici ce week-end et je tiens à remercier chaleureusement tous les fans espagnols. Je vous laisse et espère vous retrouver dans 2 semaines pour la course la plus glamour de la saison, le Grand Prix de Monaco. J'ai hâte d'y être. J'espère que vous serez au rendez-vous. Au revoir de Barcelone et à très bientôt. C'est vrai qu'ils ont quand même fait un énorme effort sur les commentaires. Le nombre de formations qu'on a en course, même avant, etc. C'est quand même pas mal. Bon, bah du coup, bah, comme prévu, rien d'extraordinaire à tirer de ce Grand Prix. Montero finit 16, donc pour l'instant devant le Super Aguri, ce qui permet, je crois, de rester avant-dernier au championnat. Alonso, par contre, prend la tête du championnat pilote. Michael Schumacher remonte à la 4ème place. J'ai même pas vu la place de Button, mais j'ai pas fait attention. Mais Button il a abandonné, je crois. Je dis pas de bêtises. Renault en tête avec 80 points, Ferrari 72. Honda. Ah bah ça va être trop vite. Bon, enfin, on est toujours avant-dernier. Execo avec Super Aguri et STR. Et du coup, bah, comme vous l'avez entendu, on va se retrouver à Monaco pour la prochaine course qui, j'espère, sera enfin le déclic. En général, dans les jeux, Monaco, c'est un peu différent, donc il y a moyen de faire des bons trucs. Enfin bon, on verra bien. Pour le moment, c'est pas le cas. Hein. On verra. Bon, bah, désolé pour cette course, cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Ciao tout le monde.